Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode. On part en franchise avec les Ducks d'Anaheim. Je vais les roster pas update de la deadline parce que je voulais avoir quand même un clean sheet puis toutes les rosters que je cherchais. Ils ont pas les toutes les rosters que je cherchais qui ont été faites après la deadline. Ils n'ont pas les joueurs qui sont pas dans le jeu pour le prochain draft etc. comme Merklin Celebrini, Cole Eisenman, etc. Un peu le tour de l'équipe. C'est Cutter Gauthier. Je comprends pas pourquoi il est dans la ligne américaine quand il n'est pas censé avoir de contrat. Bon, c'est 50 sur 50. C'est ça le problème avec ce roster-là, c'est que c'est 50 sur 50 partout. Il a mis des contrats à des gars qui n'ont pas de contrat. Fait que si on veut juste changer les joueurs contre des choix, on ne peut pas. Qu'on attende la deuxième année pour faire ça. Mais là, par contre, avec les Ducks, on va commencer la saison de même là, avec cette équipe-là. Là, mais... Un, deux, trois. C'est plutôt un Alex Killian qui pourrait partir. T'sais. Adam Henry qui va peut-être partir aussi. Silverberg, ça me surprendrait parce qu'il n'y a pas de valeur. Megan aussi, Ludenstrom, Zones. Les gars qu'on échange, on va changer. On va aller chercher des gars d'un an plus un choix si on est pas, si on est capable. Non, 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 moi c'est quoi? Moi c'est mes lignes que je veux. Merci. Oh, Paul Heyman. Ok, bon. Et au cas où, c'est le premier trio, je pense pas pour tout de suite. Frank Vetrano. Vincent McTavish, Trevor Zegras, Troy Terry. 80-73. On va y aller de même. À moins qu'on trouve quelqu'un qui fait plus là. Un 12-65. Vous voyez comme ça l'attaque. Tant que je sors Gustav Lindstrom de l'alignement. Puis je mets aucun défenseur parce qu'on a trois attaquants sur lui. Lol. Oui, Josh Johnson va être en descendu. Robert Haig. Va être monté. Merlin Rachel. Modifier les lignes, j'ai oublié de starter mon timer comme d'habitude, fait qu'on va le mettre à 40. Ça y est, vite. Bon. Jacob Péo.
Call the Knight, on va le chercher. Mettre Tyson Ice. Ross Johnson. Mettre Pastor Chubb. Puis en haut. Gustav Lindstrom va sortir. Robert. Je vais peut-être dire d'où peut-être qu'on va sortir d'abord. Ouais, il y a une main d'avoir pour sortir Gustav Lindstrom pour mettre un Gudas pour Jake Kessler. Another 0, alright. Et regardez, John Gibson puis Luke Dustin, puis en bas, Caitlin puis Gage Alexander. Alright. Ouais, les contrats qui finissent cette année, on va en lancer une copine. Adam Henry, qui va pour signer. Isaac Lundstrom. Vursi. 1 an, 1,25. 3,1 an, mais 3 ans. Silverberg aussi, bon. On va aller à l'attaque. Sam. Ben Gru, on sait pas. Nestor Benko va signer. 12 ans, après. Ça sert à grand-mère. Nous, on sait pas. Quant à Gauthier, on sait pas s'il va signer. Max Jones. Un an 1,15. Jacob Perro Versini. 3 ans à 150 000. Ça, c'est pour... Jacob Lacombe, Jackson Lacombe. Non, Jacob Lacombe. 3 ans, 1,5 comme tu veux. Gardien, lui, on sait pas. Bon. On va être prêt. Simuler jusqu'au début de la saison régulière. Priorité. Ah, déclinez votre offre. Mais va chier. Mais va chier. Il va attendre d'abord. Oh, contre les Vegas Golden Knights. Highlight Ducks versus Vegas Golden Knights at the T-Mobile Arena. First game of the season for the Ducks. Third game of the season for the Vegas Golden Knights. Première période. 2-1. Ryan Strom, Brett Leeson. En avantage numérique pour Strom, Brett Leeson et Nicolas Haig. Deuxième période. 3-3. Pavel Mitnikov, Jonathan Marchessault. Et Cotter, troisième période,
Il y a Leo Bushkin qui marque 4 à 3. Powerplay Vegas et c'est Mark Stone qui marque 4 à 4. Et Frank Vetrano qui marque un cinquième but pour les Ducks. 40-30 les tirs. 41-31. 41-32 les tirs en faveur des Ducks dans la mise. C'est une victoire de 5 à 4. Le 19 de Docteur pour Robert Haig. Oui, on joue avec les blessures. Je m'ajoute aussi parce que le 19 il est dans pas long. Moi, mais ça, non. Il va rester sur le banc là, là-dedans. Là qu'on va retourner voir. On va simuler jusqu'au 14 de novembre, enfin un mois. Défaite de 3-2 contre les Larry Kings. Victoire de 4 à 3 contre les Stars en tir de barrage. Victoire contre les Coyotes en réglementaire. 1-5-1-7 puis Jacob Silverberg contre Nate Schmid. Nope. Victoire contre les Blues de 5 à 2. Matt Roy. Non. Victoire de 2-1 contre les Columbus Blue Jackets. Un autre match contre les Blues en 2 matchs. Une défaite de 2-1. Les Flyers. Une victoire de 4 à 2. Défaite de 3-2 en set de barrage contre les Penguins. Une victoire de 2-1 encore contre les Coyotes. Non, c'est 3-1 le premier. Deuxième match contre les Vegas Golden Knights. Victoire à 8-2-1. Victoire de 3-2 contre les Penguins. Défaite de 4-1 contre les Flyers. Et défaite de 2-1 contre les Sharks. 9-4-1 après un mois de simulation. 14-14 pour Troy Terry. On voit les stats. Trevor Zegras 13-14. Michael McTavish 11-14. Pas mitro fonctionne. Leo Carson 8-14. Mais plus 4. Avec Mikov 7-14. Gardien. John Gibson, 13 matchs de jouer, 7 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation. 940 de pourcentage d'arrêt, moyenne de bloc contre 1,97. Le Carter Stall, 3 matchs de jouer, 2 victoires, aucune défaite, 910, 2,98. Gardien. Bon, chez les gardiens, en bas, Kay Klang, 10 matchs de jouer, 2 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation, 8,88 de pourcentage d'arrêt, 3,17 de moyenne de but contre. Gage Singer, 1 match, 1 victoire, 914 de pourcentage d'arrêt et 2,77 de moyenne de but contre. Défenseur, Tristalino, mène chez les défenseurs avec 8 points en 11 matchs, pourcentage de, plus ou moins de 5. Jackson Lacombe, 5.11 match, mais moins 7. Drew Allison, 1.11 match, moins 6. Tyson Hines, 2 en 11, plus 2.
C'est le gars 3 en 11-0. À part Tristan Luneau, aucun défenseur n'a des buts. À l'attaque, Quentin Gauthier 9 en 11-0. Nesterenko 7, égalité avec Colin Gagneau. Les deux à moins 2 en plus. Bastujov 6 points. Jacob Perreault 4. Tant en carrière. Il a joué un match en une semaine. On va aller voir les stats du Rocket de Laval. Ici, Alonel joue en bas de 9 points. Peut-être Joshua à 5 points. Alikin est 4. Simono 1. La défensive. Line Hudson, 6 points en 12 matchs. Ren Barker 5 en 12. Strubber 5 en 12. Man, c'est trop là, Montréal. Hulk qui arrive à. Hulk qui est clos, puis il vient à Montréal pour elle. Gardien de but. Primo. 9 matchs de jouer, 6 victoires, 3 défaites, 1 blanc de charge, 915 de pourcentage d'arrêt, 217 de moyenne de but contre. Strassman, 0 victoire en 5 matchs, 3 défaites. 8,83 de pourcentage d'arrêt, moins de but contre de 3,69. Dans la ligne nationale, au Québec, le Canadien, Samuel Montembeault, 11 matchs de jouer, 4 victoires, 5 défaites, 1 défaite en prolongation. Pourcentage d'arrêt de 911, moins de but contre de 3,10. Jake Allen, 6 matchs de jouer, 1 victoire, 2 défaites en prolongation. 924 de pourcentage d'arrêt, moins de but contre de 2,83. Chez les défenseurs, c'est Mike Batterson qui mène avec 4 points en 15 matchs. Suivi de Jordan Harris et Kaden Goulet avec 3, moins 3 et moins 2 et moins 7. Ça va à 2 points en 15 matchs plus 2. À l'attaque, Kirby Dack mène chez les attaquants avec 13 points en 15 matchs. Suivi de Gallagher et Kofi à 10 chacun, mais Kofi est moins 5, tout comme New York. Et Suzuki moins 8 et 8 points comme New York. Thunder Person 7, Christian Dvorak 5, Armia 5, Anderson 5. Il y a la même fiche, mais Armia est moins, trop, moins 2. Slavkovski 4 points seulement en 15 matchs. Pinon 4, Evans 3. Au classement. On est premier dans la Pacifique. Dans toute la ligue, on est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9e dans la ligue égalité. À égalité complète avec les Rangers de New York. 14 matchs de joueurs, eux autres aussi 9, 4, 1. Victoire sans prolongation 7, 7. Les deux, c'est plus prolongation 7. But pour 37, 37. C'est les buts qui comptent, on a accordé 13 buts de moins que les Rangers de New York. Bon, on va aller simuler un deuxième mois. C'est jusqu'au 14 de décembre. On va jouer contre les Canadiens de Montréal le 22. Max Jones souffre d'une commotion d'ici le 20. Oh, le reste du gars s'est rendu 84 de général. Donne-moi lui payer où, toi. Victoire contre les Preds, victoire contre l'Avalanche. Défaite contre les Panthers. Défaite contre les Blues. Victoire contre le Canadien de Montréal. Victoire contre les Kings de Los Angeles. Refusé.
Victoire contre les Oilers. Victoire contre les Canucks. Défaite contre les Capitals de Washington. Un autre match contre l'Avalanche. Défaite de 5 à 0. Un autre match contre l'Avalanche. Défaite de 4 à 2. Contre Chicago. C'est une victoire de 4 à 2 contre les Blackhawks de Connor Bedard. Contre les Jets, défaite de 5-0. Et deux défaites de 5-0 dans le même mois. 5 à 2 contre les Islanders. On va aller voir les stats puis on va remplacer les gars. On va pas voir les stats du Canadien à chaque fois. Là. Toi, Terry, 28 points en 28 matchs. Trevor Zegras, 23 en 28. Léo Carlson est rendu à 16. C'est pas pire. Pamelnikov est rendu à 13. Léo Carlson. McTavish, 18. Peut-être changer le premier trio. Son follower, 14. Mitukov, 13. On dit Gibson, 27 matchs de jouer, 14, 11, 1, 9, 21, 2, 63. Leur sort 4 matchs de jouer, 2, 0, 9, 25, 2, 61. Quel claque, hey man, what the fuck, les gardiens sont pas. Les matchs de gardiens sont pas tant bien séparés, je dirais. Défenseur Tristan Luneau. 12 points plus 18 pour Tristan Luneau. Jackson Lacombe, 10 points, mais moins 10. 9 points pour Carrick, plus 20. La première paire, Carrick Luneau, là, ça marche à côté. Et à l'attaque, Cotter Gauthier, 16. Kyle Kukkonen, 17. Jacob Perrault, 13. Pastujov, 11. Alors, on va les remettre Robert Hague. Il fait 5 points en 13 matchs, c'est quand même pas bien pour voilà Olivier Giroux. Oh, c'est même pas la première, c'est la deuxième paire. La première, c'est du Olison. Jackson. On va simuler un autre mois. Après ça, on va s'arrêter là-dessus. On va simuler jusqu'au 14 de janvier. Défaite. 5 défaites de suite pour les Ducks. Défaite. 6 défaites de suite. 7 défaites de suite. 8 défaites de suite. Enfin une victoire après 8 défaites de suite. My God! Modifié ligne, merci! C'est de blague shit là pour vrai.
20 points en 35 matchs, plus 6. On va retourner les trios de même d'abord. On peut se retrouver le chemin de la victoire ou qu'on retourne le chemin de la vie défaite. Défaite. Wow. Bon, on fera pas les playoffs, gars, je le garantis, fait qu'on est vendeur à la dette limite des transactions. Oh, deux victoires de suite. On perd. Nos victoires. On va perdre. Oh, Luca Dostal, il y a un claquage à l'aine, il va revenir-t-il le 28 février? On va prendre Cale Eklund. Éducation éliminée HL. Victoire, let's go. On va voir les stats. Troy Terry, 42. Trevor Zegras, 34 en 42. Frank Vertano, 28. Là, Carson est rendu à 24. Pavel Mitikov 17. Moi c'est les jeunes que je regarde. 40 matchs à jouer pour Nick Gibson 19-18-1. Gage Alexander. Oh! Zellweger a dépassé Tristan Luno au chapitre des points. Mais la deuxième paire est 20, plus 23, plus 21, c'est. Aïe aïe. Personnel, plus 6, plus ça. Le Copero, 24. Pastujov, 14. Carter Gauthier, 28. Moi, c'est ces jeunes-là que je cherche. 32 pour Kokkonen. Gaucher, 12. Alors là, on voit les stats du Rocket de Laval. Il est 5 points. C'est moins 12. Top 8. Roi 10 points, moins 3. Line Nottingham 19 points. Starboard Kings 14 pour David Reinbacher. Des gardiens, Kaden Primo, 16, 11, 2, 3, blanchage, like God. Des gardiens, Jake Allen. Défenseur. 14 pour Matheson, il est loin de sa saison. C'est sa saison qu'il connaît en ce moment, man. Dans les droits, Cole Caulfield, 32, Gallagher, 26. Anderson, 17, à peu près comme sa saison. Dans les gauches, Slapkowski, 12 points seulement. Il joue sa quelle ligne? Laissez-le, what the hell? 42, 34, 29. Je pense qu'à la transaction, peut-être que j'allais chercher un Yaroslavkovski. Fait que, guys, c'est sur ça que va se terminer cet épisode. On a simulé 3 mois. On est deuxième de la division. Mais on. Même si on est en place pour le playoff, je ne pense pas
garder cette équipe-là. Je pense que je vais aller en rebuild. On se retrouve littéralement live. On se retrouve à être 20e puis on fait les playoffs. C'est quand même un peu pour démontrer que notre division est faible. Fait que c'est sur ça qu'on va se dire à la prochaine dans un autre épisode. Fait que je vous dis à la prochaine, un autre épisode. On construit la suite, on va simuler 3 mots. Je pense qu'on va passer aussi la date de l'intersection dans le prochain épisode. Puis on va se rendre jusqu'à la fin de l'année, je pense, aussi dans le prochain épisode. Fait que guys, merci d'avoir été là. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!